On arrête sur Minecraft. Wouhou! Alors, quel mode j'ai mis? J'ai mis un mode qui s'appelle Identity. Et je pense que je vais vous le montrer directement. Identity. Ou identité en français. C'est à peu près le seul mode que j'ai mis pour cette fois-ci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Minecraft, c'est un jeu auquel j'avais pas mal joué quand j'étais au collège et au lycée, y compris sur des versions craquées, mais après je l'ai acheté, donc il n'y avait plus de soucis. Voilà, ça c'est mon skin, et ça a toujours été mon skin, et ce depuis, bah, pareil, le lycée. Voilà, ça c'est mon skin. C'est ça le souci, c'est que quand on mode un jeu, parfois ils considèrent qu'on n'y a jamais joué, alors qu'en fait, bah, si. Donc, Identity, qu'est-ce que c'est comme mode? Identity, c'est un mode qui en fait permet de prendre l'apparence et de même de se transformer en un monstre qu'on tue. Tout simplement. Il faut que je trouve quelque chose à tuer quand même, parce que sinon ça va pas. Ça fonctionne avec tout. En fait, ce qui m'a donné envie de tester ce mode, et notamment en stream, ah, je peux devenir un mouton peut-être, c'est que j'ai vu un YouTuber Minecraft que j'apprécie pas mal, on va devenir une poule plutôt, qui s'appelle Wadzi, un YouTuber américain. Non mais, voilà, j'ai débloqué l'identité poule. Voyons voir. Et voilà, je suis une poule. L'avantage d'être une poule, c'est qu'on prend plus de dégâts de chute. Bon, par contre, pour l'instant, on voit toujours ma main. Et du coup, maintenant, je fais plus qu'un bloc de haut. Voilà, dans le genre bot débile. Wouah, je suis une poule qui agresse les vaches. Et alors, ce qui est marrant avec ce mode, c'est que dès qu'on tue un animal, en fait, on peut prendre son apparence. Bon, par contre, les vaches, c'est très résistant. Et c'est comme ça que j'ai vu quelqu'un affronter l'Ender Dragon, donc le boss final de Minecraft, en tant que cochon. Maintenant, je suis une vache. Je suis une vache dans le désert. Je sais pas si j'ai envie de m'aventurer là-dedans. Bon, alors évidemment, hein, là je vais faire un truc horrible. Je vais manger du bœuf cru en tant que vache. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est là vous voyez, j'ai 5 cœurs en tant que vache. Si je deviens une poule, j'en ai plus que 2. Chaque créature a son nombre de points de vie. Chose un peu rigolote, c'est ça. Voilà, même en tant que poule, je peux continuer à faire les trucs habituels. C'est pour ça que le mec a réussi à vaincre l'Ender Dragon avec un cochon. Sur le menu, voilà, je suis une poule. Ça fait mal quand même, le cactus. Oh, des lapins! J'avoue qu'à l'époque où j'ai arrêté de jouer à Minecraft, les lapins, ça n'existait pas. C'est cool, on a trouvé un village. On pourra tuer un villageois et devenir un villageois.
Voilà. Regardez-moi ça. Je suis un saumon. Et du coup... Et en tant que saumon, si je sors trop longtemps en dehors de l'eau, bah je meurs. Et là, je suis en vache, donc du coup, si je reste trop longtemps sous l'eau, bah je... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On va reprendre notre apparence de poule. Il faudrait que je tue un golem de fer. Les creepers, ça attaque les vaches. Ah oui, mais non, c'est pas un village, ça, c'est un temple du désert. Enfin, ce sera toujours mieux que d'être de... Ok, il y a un temple juste à côté du village. Il est tellement à côté que... On est d'accord que la maison, elle a spawn en plein milieu du temple? Ou c'est moi qui psychote? Ah non, non, non! Ah non! J'étais à côté du village! Du coup, je peux pas ressusciter dans la maison. Aïe. Mais non, je voulais la tuer. Aïe. Aïe. Je vais me cacher dans cette maison. Magikarp. Ce qui m'embête, c'est que on prend l'apparence des monstres, mais les monstres continuent de nous agresser quand même. On est quand même considéré comme un joueur et pas comme un monstre. Non, en fait, je me suis embêté pour rien. Il y a une grotte juste là. Ah oui. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, je peux faire ça. Voilà, pas de dégâts. Et puis je peux faire ça. Bon, mais moi ce que je voulais à la base, c'était vous montrer ce qui se passe quand on était un monstre un peu sympa. Genre Creeper... Mais bon, comme d'habitude, ça ne se passe pas comme prévu.
Hey, copine, je peux jouer avec vous? Voilà, je suis... là, je suis un cheval. Ah non! Non! Bon, rayon pas de sel. J'insiste, cheval. Ça a plein de PV, un cheval. Bon. Assez fait l'idiot. Mon épée préférée... Alors, moi, je suis quand même un fan de l'épée en fer. Mais c'est vrai que l'épée en Netherite, elle est... Netherite, je ne sais pas comment ça se prononce en français. Elle est pas mal, c'est juste que moi, je la connaissais pas. Parce que moi, je fais partie de l'époque où tout ça, ça n'existait pas. Je suis vieux. Ça, c'est quoi, ça? Carapace de tortue qu'on met sur la tête? Bon. Donc, on va trouver un monstre. En vrai... Pour ceux qui voudraient voir mon skin, voilà, coucou. En vrai, on va faire spawner un monstre. Ah non! Voilà. Oui! Je suis une abeille! C'est trop bien! Je peux même mettre un blaze. Ces monstres n'ont pas de pouvoir encore. Le mode n'est pas fini, évidemment. Et en tant que squelette, bah... Il a une épée à la main. Voilà, je suis un squelette avec une épée, moi. Oh, j'ai une fleur à la main. C'est trop mignon. Je suis le Wither. Bah attaque. Coucou. Regardez-moi ça. Et voilà, je suis l'Ender Dragon. Voilà quoi. Oula, ça fait quoi ces attaques?
Parce que moi, à l'époque, l'Ender Dragon, il avait pas ce genre d'attaque. Ah, pas ce dont je me souviens, en tout cas. J'aime pas commencer comme ça parce que l'Ender Dragon peut arriver n'importe quand. Et je peux arriver n'importe où sur l'île. Voilà. Voilà, Ender Dragon contre Ender Dragon. Les Endermen attaquent l'Ender Dragon? Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça! Donc, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé. La prochaine fois, je ne sais pas quand est-ce que ce sera qu'on jouera à Minecraft, on testera un autre mode. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée.